Je vais faire un tour de présentation. Donc, je commence par dire deux, trois mots pour introduire cette table alignée, hein, cette table longue. Alors, donc, yes. Ne vous attendez pas à un débat de traductologie. Je ne suis pas compétente en traductologie. Tout le monde n'est pas traducteur. Sophia Samatar, que vous avez vue ici, est universitaire et romancière. Elle n'est pas spécialiste de traduction. Donc, il va être question de la figure de l'étranger, il va être question de la langue étrangère et il va être question de l'appétit pour la fiction romanesque et de quel lien ça entretient avec la langue et la question, du coup, de dans quelle langue on lit et oui, la place de la langue dans cet appétit. Est-ce que c'est un obstacle quand c'est une langue étrangère? Est-ce que c'est un condiment? Est-ce que c'est une sorte d'épice qui aiguise notre envie de consommer davantage? C'est le désir d'entrer en toute fluidité dans les textes, peut-être, qui nous guide? Ou est-ce que c'est au contraire le souci de sentir la trace de cette étrangeté? Hein, donc on va peut-être commencer par donner la parole à chacun des invités tour à tour. D'abord parce que c'est l'occasion pour vous de les rencontrer, de les connaître. Et puis la question toujours, ça sera à la base de savoir comment ils ont rencontré l'œuvre d'Anser et comment ils ont eu le désir de la traduire ou la commande. Dans quelles circonstances s'est fait cette rencontre? Alors, d'abord, je voudrais vraiment me remercier parce que c'est de la conférence d'Anne magnifique. Il y a tant de choses qui m'ont émue. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ce rap de la littérature, une fois que j'ai appris à lire, j'ai fait cette exactement même expérience et pourtant dans un contexte très différent parce que au contraire d'Anne, j'ai vécu, enfin mes parents étaient déracinés, mon père est hongrois, ma mère est française, nous avons atterri en Allemagne et quand mes parents se sont rencontrés, leurs échanges ont eu lieu en anglais, tous les deux parlent très bien l'anglais parce qu'ils n'avaient pas encore de langue commune et plus tard mon père a appris le français, ma mère n'a pas appris le hongrois, par contre elle a bien appris l'allemand. Donc, ma sœur et moi, nous avons grandi entre les pays, entre les langues. Et la littérature m'a donné un sens d'avoir enfin un pays à moi. Un pays stable, mais immense, immense, sans frontières. Et c'est pour ça que je suis devenue traductrice. Enfin, je n'ai pas pris la décision, ça s'est fait tout naturellement. Par contre, je ne traduis plus du tout vers le français, parce que même si le français est ma langue maternelle, je parle beaucoup mieux l'allemand, surtout je m'exprime beaucoup mieux en allemand quand je m'exprime à l'écrit. Mais pour moi, la traduction, c'est un moyen de rester en contact avec ma langue maternelle. Et alors, ce désir de traduire, quand on a échangé un petit peu à l'oral, tu as prononcé le mot « appropriation ». L'idée, c'était de s'approprier d'accord. un texte. Oui. Parce ça t'a que, frappé, je me souviens. Oui, ça m'a frappé. Parce que on va à l'instant parler avec Patricia qui m'a fait entendre une vision de la traduction qui était assez nettement différente. Bon, ok, bon, je vais essayer d'être un peu clair ce que j'entends par appropriation. Je pense que tu ne peux pas traduire. On ne sont pas des machines, tu ne peux pas traduire un livre à froid, il faut que tu sois un peu investi là-dedans. Donc, quand je dis pas appropriation, je veux dire que, par exemple, il y a de temps en temps, je lis un poème, et j'aime beaucoup ce poème en français, mais parce que le français n'est pas ma langue maternelle, c'est ma deuxième langue, quelque chose qui n'est pas dans ta langue maternelle reste toujours un petit peu irréel. Donc, si j'aime vraiment beaucoup un poème, je me mettrai quasi instinctivement, je commencerai à le traduire. Parce que je veux le transposer en anglais.
parce que comme ça, ce poème sera 100% réel pour moi. Exactement. Donc, c'est vraiment, c'est un petit peu là le contraire de Marc. Et l'appropriation, c'est un de ces termes, évidemment, qu'on peut interpréter de façon très, très différente. Donc, quand j'ai entendu le terme appropriation, je ne l'ai pas du tout entendu tel que Marc l'a expliqué par la suite. Et moi, j'ai plutôt l'impression que le texte, il me traverse le temps que je travaille, mais jamais il ne m'appartient. Et une fois que la traduction est finie, et une fois qu'elle est publiée, elle ne m'appartient plus du tout. Et c'est juste pour un moment, pour le moment du travail. Et là, c'est peut-être vraiment plutôt le terme de passage, de faire passer. Alors, pour répondre à votre question, chère Alix, enfin, c'est effectivement, à ma grande honte, je n'avais jamais entendu parler d'Anne Serre. Et pourtant, j'ai toujours regardé ce qui se passe en France, ce qu'on publie en France. Et c'est grâce au prix Goncourt de la Nouvelle pour Au cœur d'un été tout en or que ce petit éditeur berlinois, Berenberg, qui est spécialisé sur les livres menus, a décidé de faire découvrir Anne Serre au public allemand. Et je connaissais l'éditrice qui m'a confié la traduction, je la connaissais déjà depuis très longtemps. Mais c'était la première fois qu'elle m'a contactée parce qu'elle s'est dit que ça pourrait coller, effectivement. Et bon, et pour moi, c'est une source d'enchantement. Et je suis heureuse parce que je pourrais bientôt traduire un troisième roman d'elle. I think I've understood the question well. Is it Liliane Louvel who's yes. there? Yes, that's me. Hello. Yeah. Hello. Nice to meet you. Nice Thank to meet you, you. Even by proxy. Yes, I don't speak French very easily, you know, naturally. So thank you very much for your assistance with translation. I want to begin by saying how wonderful this conference is. It's very exciting to be here. It's exciting to see Anne, and it's wonderful to see Marc. And I have to begin by thanking Marc for his wonderful translations of her work, which really are such a pleasure. And I just want My pleasure. More. Alors, rapidement, Sophia a dit qu'elle est ravie d'être là, que c'est une conférence très intéressante, qu'elle est ravie de voir Marc et de voir Anne de loin, et qu'elle comprend le français, mais elle ne parle pas, donc c'est pour ça que ça va se passer comme ça. Je sais tout. Thank you. So, for the question, I am always on the side of the reader. I am a reader first. And a reader and a writer second. I think this is probably something that I share with Anne from what I hear her saying, that she is steeped in literature and this is the first place that writing comes from. So for me, when I read a translation, yes, I need it to be English. I need it to be an English that almost makes me forget that I'm reading in translation. Although I also love what Anne said about this slight strangeness that is always there in a translation, no matter how smooth or how fluid, there's always that, you know, light, small distortion, which is part of the pleasure also of reading a translation. Donc, ce que dit Sophia, c'est que... Elle est toujours du côté du lecteur ou de la lectrice, et que quand elle lit une traduction, elle a besoin d'être anglaise, de le dire en anglais, d'oublier aussi qu'elle lit une traduction, et que la défamiliarisation, l'estrangement aussi, est aussi nécessaire et une sorte de plaisir en même temps qui tient à distance. Donc il y a cette espèce de jeu comme ça, de proximité, de distance, qui est intéressant. Alors oui, c'est vrai que j'ai découvert Anne Serre en anglais parce que je travaillais dans la maison d'édition anglaise qui l'a publiée, donc Les Fugitives. Et c'est vrai, enfin, ce que tu disais, Marc, tout à l'heure, ça m'a fait penser à ce qui m'est arrivé quand j'ai lu Les Gouvernantes en anglais.
ça m'a émerveillée. Enfin, c'était quelque chose de très fort. Mais je me suis demandé peut-être que c'est ce voile de la langue qui n'est pas ma langue qui fait que c'est si merveilleux. Donc, j'ai dû lire en français et pour voir que non, c'était bien, c'était bien là. Et alors, en effet, donc après, j'ai tout lu. Je me suis intéressée de plus en plus à l'œuvre d'Anne. Et je me suis, de plus en plus impliquée là-dedans. Donc, il y a eu un numéro pour le magazine Terre, le Matricule des Anges. Et après, donc moi, je suis d'origine grecque, mes deux parents, mais je suis née en France. Et donc, je voyais qu'en Grèce, il n'y avait que un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu toujours le même genre d'écrivain français, en fait. Donc, en Grèce, ils traduisent énormément du français, mais ils ont un peu une vision du roman français comme étant soit un roman très engagé, des questions sociales, etc., soit purement de l'autofiction. Et donc, je me suis dit que vraiment, ça manquait, en fait, en Grèce, d'avoir une vision, quelque chose d'autre, ouais, qui soit un peu hors normes, comme ça, disons. Donc, au début, mon idée, c'était de proposer Anne-Serre à des éditeurs. Et puis, finalement, je me suis dit qu'il fallait que ce soit moi. Quoi. Donc là, je suis encore au tout début. Hein. C'est-à-dire que je suis en train de proposer un extrait à des éditeurs grecs. Voilà. Alors, moi, j'aurais envie de dire, est-ce que la langue elle-même n'est pas une question tellement essentielle qu'on pourrait dire, pour les gens qui croient vraiment que la politique, c'est important, dont je suis, que la question de la langue est politique, notamment en Grèce, par exemple, quand il y a deux langues. Alors, laissons la politique de côté, mais on va repartir dans peut-être un questionnement sur la nature de la langue et les raisons qui font que elle a ou non des affinités, des atomes crochus avec la langue dans laquelle on veut la faire passer. Et voilà, peut-être tu reviens là-dessus. Oui, alors donc la langue grecque est très particulière parce que bon, évidemment il y a le grec ancien et il y a le grec moderne. Mais donc l'histoire de la Grèce moderne est très compliquée parce qu'en gros il y a une division entre ceux qui veulent qu'on soit très proche de la Grèce antique. Et donc, il y a une langue assez artificielle qui a été créée au moment de la naissance de l'État grec. Bon, je ne vais pas vous faire toute une histoire, mais en gros, il y a cette langue qu'on appelle kassalevoussa, donc ça veut dire épurée, qui est une langue artificielle comme s'il n'y avait pas eu d'influence extérieure depuis la Grèce antique. Et donc ça a été une langue imposée par l'État, c'est revenu sous la dictature des colonels, c'est une langue de l'administration, etc. Et à côté de ça, bien sûr, il y avait la langue populaire, balkanique, qui, elle, est pleine d'images, pleine d'expressions, enfin, plus vivante. En fait. Et il se trouve que, bon, depuis les années 70, c'est la langue populaire qui est parlée, qui est écrite. Mais en littérature, et c'est ce que j'ai découvert en commençant à traduire Anne, c'est qu'on peut jouer un peu sur ces deux tableaux. Donc, à la fois, cette langue très soutenue, très rigide, et... Mais c'est vraiment une question de mots, en fait. Et cette langue... avec des images qui débordent. Et quand on lit Anne, donc maintenant que j'essaye de la traduire, c'est vrai qu'on est toujours un peu, c'est mon impression, on est toujours un peu sur le fil. Quoi. C'est-à-dire il y a cette dimension, un peu cette rigueur très soutenue, très un peu 18e parfois, et en même temps, soudainement, il y a une espèce de glissement de terrain où on ne sait plus où on est. Soudainement, il y a un débordement, une espèce de férocité. Voilà, et donc en grec, il se trouve que grâce à cette histoire, ça marche bien, en fait. Voilà, c'est une question de mots, quoi. Parfois, je suis très soutenue, parfois, j'utilise. Voilà. Et alors, rien que pour traduire le mot corsage, il fallait que je décide est-ce le XXe siècle ou est-ce la fin du XIXe siècle. D'accord, et qu'est-ce que vous avez choisi? Ben, j'ai choisi un mot qui effectivement, c'est Mida, donc c'est la fin du 19e, parce que... Oui, voilà, comme bodice en anglais, ou quelque chose comme ça. Comme bodice en anglais, une chose un peu... Oui, mais j'ai vu que vous avez pris blouse. Blouse. Oui. Bon, il faudrait que tu me dises exactement... Yeah, you'd have to show me exactly where it was. I think it was just at the beginning. It was just at the beginning. Oh, quand elles défendent leur quand elles rentrent dans les toutes premières pages, d'accord, et elles s'affalent sur les canapés, d'accord. Alors, c'est et c'est quoi en français?
Corsage. Corsage. Mmh. Oui. Bon. Bordeaux, c'est beaucoup trop exotique. Ah oui, non, c'est, on est tout de suite dans une sorte de, oui, sorte de soft porn, de sorte de demi-érotique. C'est en dessous, le Bordeaux, c'est les sous-passages. Yeah, no, it's just a rough country blouse, you know. I don't know, je ne sais pas quel est le... Moi, c'est comme ça. Oui, mais... It's a blouse, They're unlacing their blouse. Je sens qu'on est parti sur une empoignade autour de la lingerie féminine. Moi, mon cauchemar avec les temps, c'était pas ce livre-là, c'était... C'était pas du vocabulaire, c'était les débutants. Ah, Anne, parce que dans les débutants, est raconté pendant 47 pages, je crois. C'est l'imparfait ou c'est le passé simple que tu utilises au début de ce livre? Tu te souviens? C'est l'imparfait? Voilà, donc tout est raconté à l'imparfait, parce que, comme ça. Et puis, tout d'un coup, à la page 47, au milieu d'une phrase, et ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est le moment où la narratrice du livre va rencontrer son nouveau amoureux pour la première fois, qui est venu le chercher à la gare. Et comme ça, ils montent dans sa voiture ensemble. Ils s'en vont, ils sont tous les deux extrêmement crispés parce que c'est le jour J de leur rencontre. Et ce qui est extraordinaire, c'est au milieu de cette phrase, alors que tout le livre jusque-là est narré à l'imparfait, elle change au présent historique. Comme si... Présent historique, c'est la même chose en français. Non? Présent narratif, comment tu appelles ça en français? Présent de narration. Ah, vous appelez, ça vous dit pas historique? Non, c'est autre chose. Non, présent de narration. Bon, ok. Narrative present, whatever you want to call it. Historical present. Mais où on met... voilà, bon. Et ça a créé un problème épouvantable en anglais, c'est-à-dire ce livre qui aurait dû me prendre normalement trois mois de travail... j'ai mis 6 mois à le travail et j'ai mis 10 kilos. C'était pendant le Covid. Et non, c'était une catastrophe. J'ai mis 10 kilos parce que je sirotais du raisiné pendant 6 mois et je mangeais des comment ils s'appellent, les calistex, là, les calissons. C'est sûr que j'avais trouvé un fournisseur qui faisait c'est ça joli, en boîte de 5 kilos et tout comme disons, ça. On n'a jamais fait c'est ça, catastrophique. Combinaison catastrophique. Bon, c'est bref. Et normalement, this historic present, comment vous appelez ça? Le présent narratif? Le présent de narration. Présent de narration. Bon, pour simplifier les choses, vous en servez pas mal en français. Oui. Et... si quelqu'un raconte quelque chose dans ce présent narratif et le narrateur, à ce moment-là, se souvient de quelque chose, l'accord des temps est en fonction du présent. Donc, si c'est le passé, ça va dans le passé, exactement comme si c'était raconté au passé. Ça reste au passé. Alors qu'en anglais, quand on utilise ce temps, on estime que c'est en réalité, c'est un verbe au passé, bien que ça, de façade, sa façade, sa forme est le présent, mais en réalité, c'est un passé. Donc, du coup, il faut que tu passes au plus que parfait, comme tu veux. Bon, bref, c'était absolument cauchemardesque ce livre, parce que normalement, en anglais, tu utilises ce présent historique pour raconter, tu vois, tu as écrit un roman qui se passe à l'époque de Cromwell et tu veux donner ça un côté très actuel alors que ça se passe au XVIIe siècle. Donc, vous racontez ça tout au présent ou une adaptation de Shakespeare ou tout ça, pour donner l'impression que ça se passe là, sous les yeux. Voilà. Et du coup, le passé, je veux dire, ça reste comme ça tout le long. Mais Anne, dans ce livre, comme dans beaucoup de ses livres d'ailleurs, son narrateur passe beaucoup de temps à se comparer quelque chose à quelque chose qu'elle a éprouvé avant, à se souvenir de telle ou chose, à comparer son nouveau amour avec son ancien amour dont elle essaie de se séparer. Il ne faut jamais faire donc, ça. Donc, il passe. Pardon? J'ai dit, il ne faut jamais faire ça. Voilà. Donc, autrement dit, il y a un jeu de temps, alors qu'elle reste, grosso modo, pour le reste du livre,
mais pas systématiquement. De temps en temps, elle revient à l'imparfait, mais grosso modo, elle reste pour le... Donc, normalement, mon premier instinct, c'était, bon, en anglais, on ne peut pas faire ça. Je raconte tout au passé, et ça m'aurait pris 3 mois. Et puis, en même temps, quand je commençais à faire ça, je dis, non, il y a quelque chose de très étrange dans ce jeu de temps qui donne une certaine texture au récit. Et si je l'aplatis en quelque sorte, en le mettant tout restant au passé, du début à la fin, il y a quelque chose qui ne monte pas dans le texte. Il y a une sorte de... voilà. Donc, du coup, j'ai fait une sorte de prouesse parce que personne, je vous assure, personne ne raconterait jamais un livre de cette longueur avec des etc. Donc, comme ça. Et à ma stupéfaction et ma grande, comment tu dis, ma grande dame, à ma grande déception, il n'y a pas une seule personne, les articles, les comptes rendus de ce livre. Apparemment, tout le monde l'a lu comme si c'était cette sorte de panoplie de temps était le jeu de temps absolument naturel, alors que c'était une prouesse de ma part. Tu vois, voilà. Il y a Patricia voudrait intervenir sur cette question. Je suis enchantée parce que c'est justement c'est par le biais de la traduction que la langue cible s'enrichit. Et au fil des siècles, et c'est pour ça aussi que l'allemand est un merveilleux outil de traduction, parce que c'est toujours été un pays où on a beaucoup, beaucoup traduit. Et la langue allemande, la langue littéraire allemande, elle a été forgée justement aussi par la traduction. Ça veut dire que vous, Marc, vous avez étendu le champ d'expression dans la langue anglaise, et vous l'avez fait tellement bien que c'est apparu tout naturel. Et c'est ça qui est merveilleux, justement. Et je suis très heureuse que vous n'avez pas plié aux conventions de la langue anglaise, justement. Et je me rends compte aussi, parce que j'étais très envieuse, au niveau vocabulaire, je vous ai envié, effectivement, puisque l'anglais était un peu plus proche du français, mais je me rends compte que l'allemand, sur le point de vue de la temporalité, et ça c'est grâce aux auteurs de langue allemande, qui jouent allègrement aussi depuis des siècles sur la temporalité, qui a été aussi inspiré par l'ancien grec, parce que le modèle, le summum littéraire pour les auteurs allemands, ça a été l'ancien grec. Et c'est pour ça que les premières traductions d'Homère, enfin, l'Ilias, l'Odyssée, n'étaient pas du tout un allemand naturel. C'était calqué sur l'ancien grec. Et ensuite, ça a inspiré un des plus grands auteurs, enfin, un des plus grands poètes de langue allemande, Eulalie, qui, lui, écrivait ses poèmes originaux en allemand. Mais il y a cette structure et le rythme de l'ancien grec qui transparaissent, qui sont là dans ces poèmes allemands, qui font partie de du patrimoine culturel allemand. Et c'est ça le miracle de la traduction, justement. Et il y a une chose aussi que j'aimerais bien ajouter, parce que j'ai trouvé... ce qui était le grand bonheur de traduire Anser vers l'allemand aussi, et une certaine facilité, bien que sa langue soit pas vraiment unique, mais c'est que Anser n'est pas franco-française. Il y a beaucoup d'auteurs merveilleux qui sont franco-français et qu'on peut très bien traduire, mais comme elle est tellement inscrite en fait dans la littérature mondiale à cause justement de ses lectures. Justement, vous parliez, Sophia, vous parliez de la transposition, enfin, c'est vous qui avez posé la question, il n'y a pas tellement besoin de transposer parce que c'est universel, c'est d'emblée, c'est universel. Voilà. C'est peut-être une très belle conclusion, Patricia, parce que je vois qu'il est 8h15 et même un peu plus, et si on veut avoir un tout petit peu de temps pour la signature, il va falloir qu'on s'arrête, donc voilà. On peut rester sur cette idée que les traducteurs font évoluer la langue, mais Ponge insistait beaucoup sur le fait que c'est les écrivains qui permettent à une langue de rester vivante. Et les traducteurs et les traductrices, évidemment, font partie de cette grande famille qui fait vivre cette langue à part dont nous avons besoin pour exister. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci.